Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage au sort du jeu concours du sac Zéphal à gagner qui a été mis en ligne il y a 3 semaines. C'est tout de suite en vidéo. Allez, du coup on se retrouve en vidéo, c'est le grand moment. On va se faire le tirage au sort du dernier jeu concours pour gagner le sac Zéphal. C'est tout de suite, ça se passe sur l'ordinateur avec un logiciel. Allez, pour ce faire, on va se rendre sur la vidéo, on va copier le lien de la vidéo, comme d'habitude. On va récupérer un site internet qui fait les tirages au sort automatiquement. On va filtrer les utilisateurs en double, automatiquement, si vous avez mis plusieurs commentaires, vous allez être exclu d'office. On a donc un nombre de participants de 97 et en vidéo, j'avais bien dit de mettre « je participe » en commentaire pour valider l'inscription. Donc, on va filtrer les commentaires avec « je participe » et nous avons plus que 82 joueurs, pardon. Comme vous pouvez le voir, il y a certains qui n'ont pas mis le petit mot magique et qui ont donc été éliminés avant le tirage. Allez, on lance le tirage. Et le grand gagnant est David Goubet. Voilà, donc nous avons notre grand gagnant pour ce jeu concours qui est David Goubet. Je te laisse me contacter sur la page VTT Attitude par Facebook afin qu'on échange les coordonnées et que je t'envoie ton cadeau le plus rapidement possible. Pour les autres, gardez espoir, on essayera de se faire un jeu concours très rapidement. Et j'ai envie de vous dire que ça tient qu'à vous. Pensez à regarder, à liker, à partager les vidéos un maximum et le plus rapidement possible quand elles sortent afin qu'il y ait un meilleur classement dans YouTube et afin qu'il y ait un petit peu plus de vues sur les vidéos. Je vous rappelle que le nerf de la guerre pour faire les jeux concours, justement, c'est la monétisation YouTube. Et donc, au plus il y a de vues, au plus il y aura de monétisation et au plus je pourrai faire de jeux concours dans des cadences rapides. Chose qui est sûre, c'est que je ne pourrai plus pour le moment financer les jeux concours de ma poche. Donc, je vais m'appuyer uniquement sur les revenus de YouTube. Donc, c'est pour ça que je vous dis, là, ça tient plus qu'à vous. Moi, financièrement, pour le moment, je ne pourrais plus me permettre de les financer tout seul. Voilà, ben, j'espère que ce confinement se passe bien, en tout cas pour vous. Moi, c'est un petit peu la déprime parce qu'on ne peut pas sortir en VTT. Et j'espère que très vite, on va pouvoir reprendre les vidéos sur le VTT. Allez, je vous dis ciao tout le monde!